On va parler de l'économie sociale et solidaire. Ce qui, si les gens écoutent bien les mots, économie sociale, solidaire, surtout ces temps-ci avec la crise, ça rime pas d'habitude tellement. Ça regroupe à la fois tout ce qui est les gens en coopérative, toutes les grandes mutuelles, les associations, etc., et toutes les grandes associations. Plus aujourd'hui, en supplément, je dirais, tous les gens qui travaillent dans l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire qui aident les chômeurs à retrouver un job, etc. Les AMAP, les réseaux, les circuits courts qui font une liaison directe client mais consommateur, comme on dit, c'est-à-dire non seulement un consommateur mais un consomme-acteur. Et on pourrait ajouter tout le commerce équitable. Et puis le café philo avait une thématique environnementale sur la planète aujourd'hui même. Vraiment. Donc, donc voilà, il y a des fois, il n'y a rien. Alors, malgré tout, je suis absolument ravie qu'on soit déjà quand même un certain nombre. On a aujourd'hui une économie qui marche, grosso modo, pense les gens sur deux pieds, les services publics et le secteur privé marchand. Voilà. Et bien en réalité, il y a un troisième pied, celui dont on parle aujourd'hui, que les gens ne connaissent pas trop, pensent pas trop, mais qui est très important. Enfin, il fait déjà 14% des salariés de la région, c'est pas rien. Et ça représente le troisième pied. Et en fait, dans une économie qui serait bien calibrée, ben on ferait un tiers, un tiers, un tiers. Et vous aurez une économie qui serait stabilisée. Et ça, par exemple, c'est... Et ils ont gardé vraiment... Bon, c'est une mutuelle assez récente, assez jeune. Ils ont gardé encore cet esprit... Voilà. Il n'y avait pas de règles proprement dites. Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est des emplois non délocalisables. C'est des emplois de réseau avec les gens, c'est-à-dire que quand quelqu'un a un coup dur, on peut s'épauler. Nous, la nef, vous frappez chez nous, vous n'avez pas un miroir, une fenêtre, une vitre. Autrement dit, la vitre, ça réfléchit, mais un tout petit peu, donc il vous en revient beaucoup moins. Mais vous pouvez regarder où va votre argent et à quoi il va servir et qu'est-ce qui va permettre de réaliser comme projet.